Alors, j'ai pas un parcours classique parce que j'ai pas fait des études BTS immobilier ou tout le tout team. J'ai fait des études dans le sport, mais qui m'ont apporté beaucoup parce que très polyvalente. Et je suis venue par l'immobilier, en fait, en faisant mon premier achat. Revente, un deuxième achat. Et je me suis dit que j'aimais bien ce milieu, ce domaine. Je trouvais ça très, toujours aussi polyvalent et très enrichissant. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir mettre le pied à l'étrier dans une agence en région parisienne. Et puis après, c'est devenu une passion, donc j'ai pas arrêté. Alors si je mets tout bout à bout, parce que j'ai travaillé dans des agences, j'ai travaillé pour des constructeurs de maisons individuelles et j'ai travaillé en tant que mandataire, il y a eu un petit peu d'autres expériences au milieu mais qui n'étaient pas du domaine de l'immobilier, ça va faire à peu près une douzaine d'années que je fais ce métier et je m'en lasse pas. Alors clairement, pour moi, ça fait peut-être cliché, mais c'est véridique, c'est vraiment accompagner un projet de vie. Voir des étoiles dans les yeux de mes acquéreurs, voir un soulagement dans l'attitude de mes vendeurs, c'est ça mon moteur. C'est vraiment ça. Pour moi, la première raison, c'est quand même l'expérience, parce que mine de rien, on a beau dire dans ce métier, l'expérience apporte beaucoup et on apprend beaucoup avec l'expérience. Et puis c'est vraiment dans l'accompagnement, je fais vraiment quelque chose de personnalisé. En fonction du projet de chacun, je m'adapte vraiment et je suis de A à Z. S'il faut creuser pour trouver un regard, je le fais. S'il faut aller voir le géomètre, l'avocat, etc. J'ai vraiment un accompagnement complet et j'espère faire la différence avec ça. Clairement, alors sans être chauvin, c'est parce que c'est un réseau local déjà, je suis grenobloise d'origine et ça me plaisait l'idée d'avoir un réseau qui a été développé dans ma région et c'est pour les valeurs familiales et de proximité. Voilà, aujourd'hui je suis là au siège, j'ai des gens en face de moi et c'est important dans ce métier.